Yo l'équipe, c'est Lexity, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille comme d'habitude les mecs. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des 10, on va voir les joueurs aujourd'hui qui ont les plus grosses valeurs marchandes de ces mercato à l'heure actuelle. Donc ne confondez pas avec la clause libératoire puisque ce n'est pas la même chose, valeur marchande et clause libératoire. Et je vous ai mis ma source dans la description et vous allez voir que c'est assez étonnant concernant certains joueurs. Voilà, ce sont des valeurs marchandes qui pourraient permettre de racheter certains clubs comme comme le Racing Club de Lens carrément. Ouais, c'est assez insultant pour moi étant un supporter de... NON. Petite faveur l'équipe, ce serait vraiment super cool si on pouvait atteindre la barre des 4000 likes avant ce soir. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais je suis persuadé que c'est possible. Et donc on est parti. Et on commence cet épisode l'équipe avec un joueur qui s'est révélé ces dernières années, notamment du côté de la Juventus. Il s'agit bien évidemment de Paulo Dybala, le buteur argentin de 23 ans qui a une valeur estimée à 115 millions d'euros et fait donc partie du classement des 10 joueurs à avoir la plus grosse valeur marchande à l'heure actuelle. On retrouve ensuite Eden Hazard, le joueur belge de Chelsea, qui lui fait aussi partie de ce top 10 avec 117 millions d'euros en valeur marchande. Un joueur qui a de quoi intéresser pas mal de gros clubs européens qui, s'ils veulent se le procurer, vont devoir mettre le paquet. Assez bizarre que cela puisse paraître, on retrouve Gonzalo Higuain, notre deuxième buteur de la Juventus, qui à l'âge de 29 ans a une valeur marchande estimée à 120 millions d'euros. A savoir aussi que la transaction de son transfert de Naples vers la Juventus était estimée à 90 millions d'euros et il a donc fait partie du top 5 des joueurs les plus chers de l'histoire du football. Donc à son âge, il est encore plutôt coté. Le joueur le plus cher de l'histoire du football en termes de montant de transfert, puisqu'il avait été recruté par Manchester United en provenance de la Juventus pour 105 millions d'euros. Il fait lui aussi partie du top 10 des joueurs à avoir la plus grosse valeur marchande puisqu'elle est estimée à l'heure actuelle à 134 millions d'euros. Le sixième de ce classement et le plus vieux d'ailleurs s'agit de Luis Suarez, le joueur du FC Barcelone qui à l'âge de 30 ans voit encore à l'heure actuelle une somme de 140 millions d'euros. Tout proche de signer à Manchester United au début du mercato, on a désormais Antoine Griezmann, le buteur de l'Atlético Madrid, qui a une valeur estimée à 150 millions d'euros et est donc le joueur français le plus cher à l'heure actuelle sur la planète foot. On a ensuite Lionel Messi à la 4ème place qui, malgré ses 29 ans, a toujours une cote exceptionnelle à 151 millions d'euros. Forcément, il fait partie du top 3 des meilleurs joueurs de cette génération. On entre dans le top 3 avec le buteur des Spurs qui, la saison dernière, a été élu le meilleur buteur de Premier League. Il s'agit bien évidemment de Harry Kane qui, à l'âge de 23 ans, a une valeur de transfert estimée à 153 millions d'euros. Valeur qui, d'ailleurs, risque d'augmenter dans les prochaines années car, à l'âge de 23 ans, il peut encore marquer son empreinte sur le football. À la 2ème place, autre joueur de Tottenham, bien évidemment Dele Alli, le très jeune joueur de 21 ans, international anglais qui a une valeur à 155 millions d'euros. Un joueur dans le viseur de très nombreux clubs européens qui risque dans les prochaines années de faire partie des plus gros transferts de l'histoire du football. Et enfin, on a à la première place forcément Neymar qui est le seul à dépasser la barre des 200 millions d'euros dans ce classement puisqu'il a une valeur estimée à 210 millions d'euros. Valeur très proche donc de sa clause libératoire qui est de 222 millions d'euros. Cet épisode des 10 est désormais terminé l'équipe. J'espère forcément comme d'habitude que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en me pétant cette barre de like et en me disant dans les commentaires vos avis sur ces différentes valeurs marchandes. Et donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexity, ciao ciao.